est parti pour jouer sur du Forza. On joue encore Forza. Et on va faire de la course. Tiens, hop. Il y a un circuit de terre là-bas. Faites demi-tour dès que possible. Alors, j'ai pas vérifié, attends. Tout le son marche? Ouais, nickel. Oula, il m'a arrivé quoi? Il est juste mis sur pause 2 secondes? Boom. Oh, ça fait trop bizarre de jouer avec la vue de la voiture, je préfère l'intérieur. Oh là, 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 oh là. Cette voiture est pas faite pour la route. J'ai hâte de passer en été. En fait, on passera l'été, on aura fait un cycle. Ah, il y a un panneau, bah c'est pas grave. C'est du n'importe quoi ce que je fais. C'est mieux. Vous avez atteint votre destination. Oh, cette musique est géniale. Putain, les autres sont en train de me piler la gueule là. Ah, putain, je fais de la merde, putain, je suis pas concentré aujourd'hui.
On va essayer de les rattraper, hein. Ah non, putain, c'est quoi ce virage de ouf? Yo, tu fais de la merde. Putain, je vais pas pouvoir les rattraper, hein. C'est dès le début que j'ai merdé, c'est mort. Bon, ouais, vas-y, je retente. Putain, moi qui pensais que j'allais passer à côté, merde. Oh, putain, par contre, je vais me rebouffer le. Ah, c'est bon. Ah, putain. Ah, ligne droite, il me sème de ouf. J'ai pas pu cogner la voiture comme je voulais. Donc du coup on reprend mais sans faire le con. Sans faire le con j'ai dit. En plus là c'est la fin de la course là. Attends, y'a moyen. Non, en fait, y'a pas moyen. Recommence la course. De toute façon, j'avais mal commencé. Ah, faut que je m'y remette. De toute façon, si j'arrive pas trop, je passerai sur un autre jeu. Même connerie que tout à l'heure en plus. Deux fois la même connerie. Trois fois la même connerie. Ah merci, elle me rebobine un peu plus loin. En plus j'avais pas augmenté récemment la difficulté des voitures là. Ça va pas, faut que je freine un peu plus. Oh! Mais bon. Ah, ce virage. Ah, est-ce que si je me boufferai pas cette arbre-là. Attendez, elle est mortelle ce virage aussi. Il est pas loin. Aïe. Merde. J'ai pas vu là.
J'avais oublié ça. On déconne pas, c'est la dernière ligne droite. On est bon. Ah, on va pas tarder à passer à l'été si on continue. Les morceaux les plus cool. Morceaux les plus cool du coin. Wow. Vous avez atteint votre destination. Et après toutes ces courses là, il faut leur les faire en mode rivaux et après en mode je sais pas quoi. Ça va être une galère. C'est bon, je l'ai sélectionné ma course. Le jeu commence pas à me faire de la merde. Voilà, merci. Ah putain, c'est quoi, même la dernière hier, j'aurais peut-être dû mettre ma caméra comme ça. Ouais, il était comme ça. Pour éviter de cacher la progression en haut à gauche. Ouais, on est plus chaud de la course là. C'est moi qui suis en train de me faire piller par tout le monde là. Putain, bouge ton cul toi. Putain, je suis quand même une pute quoi, utiliser les voitures pour les virages.
J'aurais tous en mode photo, mais là par contre, je me ferais baiser. Putain, le petit saut qui m'évite de bien faire le virage, quoi. Y'a l'autre qui va essayer de me rattraper là. Voilà, lui il voulait me rattraper, ça va pas, ça va pas. Ah mais je suis con, pourquoi je regarde derrière moi comme ça, j'ai les rétroviseurs. Ah ça rattrape là. Non c'est bon. On est bon. Yes. Encore un petit 10 000 à peu près. Et costume de poulet. Non. Ah, une émote légendaire. Carlton. Oh, on va tester ça plus tard. On repassera. Mais il faut que tu réussisses la prochaine manche parce qu'on prépare un truc d'enfer pour la suite. Le parcours sur Terre le plus énorme jamais tracé. Ok. Alors, permets. Il y a un parcours sur Terre juste derrière moi. À 400 mètres, tournez à droite. C'est Amy sur Pulse. Quelqu'un a vu Alex dernièrement? J'ai invité à plusieurs soirées Pulse, mais je tombe toujours directement sur sa messagerie. Vous croyez qu'il est perdu, qu'il a des problèmes? Mais non. Ça y est, j'ai compris. La dernière manche du championnat de course sur Terre approche. Il doit être en train de faire du repérage. Il a sans doute donné un nom ridicule à son tracé. Je me demande ce qu'il veut encore. Wouah. Mix et Colin Grinder. Allez, on est parti. Ah, a créé un billet de recherche sur Destiny. Je n'ai pas que le 1. J'ai Destiny.
C'est pas grave, garde l'avance parce que tout le monde a freiné. Je suis con des fois. Wouah, c'est des vierges serrées qui nous mettent là. Des bonus de pilotage propre alors que je fais que me casser la gueule. Freine. C'est moi, il y en a un qui me rattrape dangereusement là. Ah ouais, il y en a un qui me rattrape dangereusement. La même connerie que le premier tour. Ah putain, qu'est-ce que je suis intelligent. Tu ne passeras pas. Pardon ? Oh non, attends, par contre, ces putes là, tu vas me dire que comme par hasard, tout à l'heure eux ils freinent tous et tout, et eux maintenant ils ont décidé de me rentrer dedans comme des porcs. Attends, on va rebobiner. Ouais, je rebobine loin. C'est quand que j'avais décidé de freiner? Ok, ouais. On va faire comme d'habitude, la meilleure technique. Voilà. Quitte à s'arrêter d'un coup, autant les pleines vitesses contre le mur. Ça, il reste plus grand chose à l'influence.
Tac tac. Vas-y, on va là-bas. Hein. Les éclaireurs d'horizon n'arrêtent pas de parler d'une voiture abandonnée pas loin. Tu veux bien m'aider à la retrouver pour les faire. Oh putain, c'est vrai que j'ai plein de voitures à trouver. À 400 mètres, tournez à gauche. En direct du festival Horizon. À 400 mètres, tournez à droite. Aïe. Bah pourquoi je me fais chier à suivre la route là? Faites demi-tour dès que possible. À 100 mètres, prenez le virage serré à droite. Ah, mais je me bouffe un arbre en plein milieu. Dans les airs. Et voilà, on va là dans la route. Ah putain, j'ai ce même bec de son. Je sais pas ce qui se passe, j'ai un bec de son de temps en temps. Oh putain, en plus la gare. La voiture elle est pas loin. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Oh, je suis passé propre. Ah, presque propre. Merde. Votre destination. Destination incomplet. Un jour, on achète une nouvelle voiture. Putain, tu veux que je monte encore la difficulté des dravatars? C'était chaud déjà au niveau d'avant. En plus, lui, il trappe. Ouais, là c'est un peu trop en expert là. Il me faudra une voiture, voilà. Faut que je la meilleure ma voiture quoi en fait. Non, il est pas passé. Oh, y'a moyen, y'a moyen. Ah. Ouais, je conduis comme un clochard. Hein. Ah putain, elle est pas faite sur la route cette voiture.
comment dire qu'on va recommencer et on va remettre la difficulté d'avant là. Ah, très doué, c'était très bien. Non, c'est bon. Bon, malgré que j'ai baissé cette difficulté, ça n'empêche que sa voiture trace. Et j'ai pas pris. Sur terre, pas un peu mieux, mais sur la route, lui, il pointe. Hein. Oh, tu vois déjà la différence de difficulté par rapport à très doué et à expert. J'arrête de la rattraper quand même. Putain, j'ai zigzagué comme un con pour éviter qu'il me rattrape et j'ai fait de la merde. Merde. C'est bon. Tant que je sur la terre ça, je le bats. Et là, pas touché. Ah si. Toi, pute. Ouais, tu dégages s'il te plaît. Je joue en multi, je me fais insulter tous les noms. Bon, normalement ça devrait être bon là. Et on est bon.
succès. Pilote accompli. Vous avez atteint le niveau 1. Oh, génial. Du coup, j'ai le succès qui me spot que j'ai niveau 20, quoi. Paf. Qualifié pour Horizon Life. Ah mais tout, entre guillemets, on a fait les 4 saisons. Même si l'été, il s'est rien passé. Salut Jérémy. Ça y est, tu fais partie de la sélection Horizon. En même temps, vu tout ce que tu as fait depuis un an, le contraire m'aurait étonné. Eh non, déjà. Rejoins-moi au festival pour que je te donne ton bracelet. Oh, mon bracelet de célibataire. Les amis, vous êtes toujours avec Amy. Vous avez tous lavé vos caisses ce matin? Autrement, je vois pas comment expliquer toute cette pluie qui nous tombe dessus. Ça ressemble à une grosse punition collective du destin. En tout cas, soyez prudents sur la route. Et pour vous porter chance, calez vos radios sur la fréquence de Pulse. Pain, 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 pain. On va aller à Horizon Life. Oh putain, s'il faut aller là-bas. On passe comme ça? Non, on passe pas. Hello, vous allez bien? Vous êtes sur Bass Arena avec Scott Tyler. Je reviens tout juste de la fête des champions de Rallye Horizon. Les amis, je peux vous dire que ces gars-là savent s'éclater. Sur le dance floor, ils parlaient tous d'une légende du rallye abandonné. Ça a l'air d'être un truc de fou. Elle doit être quelque part dans une grange. À part faire sa recherche, moi il faut que je m'assoie. Ouais, j'en peux plus. Oh, oh, oh. Bah ouais, 100 mètres sur ces 4 roues, pourquoi tu me l'enlèves? À 100 mètres, tournez à gauche. C'est ce qu'il faudrait, c'est le costume du Major 117. Ah là 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 là. À 400 mètres, tournez à droite. On a le warpath, pourquoi pas le costume? Et là, boum! Tu passes pas, parce que c'est un mur. Du coup, c'est marrant qu'il y a qu'un seul festival. À 200 mètres, prenez le virage serré. Ah, du coup, c'est un grand festival aussi. Prenez le virage serré à droite. Vous avez atteint votre destination. Salut Jérémy. Félicitations pour ton accès à la sélection Horizon. Mais ce n'est que le début. À partir de maintenant, tu vas vivre cette expérience avec tous les autres pilotes sélectionnés. Va faire un tour et dire bonjour. Tout peut se faire en convoi de 6 pilotes maximum. L'objectif, c'est le bracelet d'or. Une récompense qu'on ne donne qu'aux véritables superstars du festival. Aux gens comme Alex et Rebecca, ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine. C'est moi qui décide qui est digne du bracelet d'or, en me basant sur les cris des milliers de fans présents à Horizon. Alors, qu'est-ce que tu attends? Donc là, on ouvre le grand multijoueur, là. Oh, et le Fanzaton est de retour. Avec cette fois, des défis chaque jour et chaque saison pour te permettre de gagner les meilleures récompenses d'Horizon. Et ce n'est pas tout. Toutes les heures, le Fanzaton Live te propose de t'allier à d'autres pilotes de la sélection pour relever des défis parmi les plus fous d'Horizon. Ok. Si tu cherches quelque chose de plus compétitif, le mode aventure en équipe oppose des teams de 6 pilotes.
Choisis course uniquement pour des courses à l'état pur, jeu uniquement pour t'éclater en arène, où tous les moyens sont bons pour un mix des deux. Monte une équipe avec tes amis et affronte n'importe qui. Quand tu seras au point, inscris-toi aux épreuves classées et rejoins une ligue pour affronter les pilotes les plus fermes. Alors, le mode cassé, pas pour moi. Salut Jérémy. Bienvenue dans la saison estivale. Tu vois quelque chose qui te plaît ? Le public s'est déplacé en masse, la météo est parfaite, le programme des épreuves est là. Ouais. Donc là, l'idéal, c'est de faire en priorité toutes les courses qui sont temporaires de cette semaine, sérieux ? Et vas-y, je dis oui. Là là là, on arrive au vrai jeu là. Sinon j'ai tout, putain, toutes les courses à faire. C'est quoi ça ? J'adore l'analyse scientifique de la course, même si j'aime aussi la démonstration de la vitesse de pointe en ligne droite. D'ailleurs, c'est la piste de drague d'Orizo. Prêt à mettre le pied au plancher ? Oh, du pif. Major, j'ai besoin de vous. Vite, nous devons sortir d'ici. Cortana ? Non ! Non ! Attends, je vais appeler Mathias. Je vais lui envoyer un message. Non, rien à foutre. Faites demi-tour dès que possible. Demi-tour. Ah. À 100 mètres, tournez à droite. Alors là, argument de vente, mission à l'eau. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ah. Merde. Ah, non, rien foutre, je fais toutes les missions à l'eau en priorité. Et vous savez quoi, j'espère que dans Nidar Lab 6, ils vont remettre le Master Chief en personnage jouable. Parce qu'il y était dans le 4. Enfin, c'était pas vraiment Master Chief, c'était quelqu'un d'autre. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Un Spartan. Peut-être retourner dans la route. Tournez à gauche. Bon, peut-être pas quand même, en fait, dans la route. Ne me dis pas que je peux récupérer 17 000 d'influence quand même.
premier rond-point du jeu. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je roule au milieu parce qu'il y a un panneau que j'ai raté. Il est où le panneau? Captez pas la radio dans le tunnel? Ou c'est parce que ma voiture fait trop de bruit? À 400 mètres, tournez à gauche. Ah putain, ça prend ma première sortie d'autoroute dans un jeu vidéo. On en parle, ça fait bizarre. Tournez à gauche. Dans la loi, la mission. Oh, destination là-bas, vas-y, on prend un raccourci. Nouveau calcul de l'itinéraire. Maison 200 mètres, tournez à gauche. Merde. Excusez-moi, c'est pas où je peux rentrer en ville. Merde. Attends, hop, le petit panneau d'influence au passage. À 400 mètres, vous arriverez à destination. Alors attends, ça appuie sur start. Je change leur diff, je mouche un coup et je relance leur diff.